Commencez par appliquer une base à paupières, moi c'est la Primer Potion de chez Urban Decay en teinte originale. Vous l'appliquez vraiment sur toute la paupière, du haut en bas, paupière mobile, immobile, au ras de cils. Ensuite vous prenez un crayon noir, moi c'est un waterproof de chez Yves Rocher que j'apprécie vraiment beaucoup. Et vous l'appliquez dans la muqueuse inférieure et n'oubliez pas aussi la muqueuse supérieure, c'est très important pour avoir un regard très intense. Ensuite, pour ce maquillage, je vais utiliser la palette de chez Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani. On va commencer par prendre le fard Star, qui est un marron très très pâle, qui me fait penser à Game of Thrones au passage. Et on va l'appliquer uniquement dans le creux de paupière. Veillez à ne pas dépasser le creux de paupière, c'est super important. Par la suite, on va prendre le fard rose de la palette qui se nomme Harajuku, si je le prononce bien, et on va l'appliquer en fait du coin interne jusqu'à environ 2 tiers de la paupière en veillant à bien tapoter et ne pas trop en fait faire des allers-retours avec le pinceau. Ensuite, on va prendre un fard pailleté, c'est-à-dire le pop, et le mettre juste en coin interne au ras de cils inférieur. Par la suite, on va utiliser le fard punk de la palette, c'est vraiment un fard mat chouchou pour moi. Vous allez l'appliquer d'abord en tapotant sur le coin externe de votre œil jusqu'à qu'il y ait une intensité assez quand même prononcée. Puis vous allez commencer en fait à estomper de l'extérieur vers l'intérieur par des tout petits mouvements, pas circulaires mais vraiment en coup de vent en fait, comme un balai en fait, et vous allez finir en fait par estomper normalement comme n'importe quel fard. Puis vous allez faire votre ras de cils inférieur mais du coin externe en fait pour raccorder avec ce que vous venez de faire. Puis ensuite, je vais appliquer ma base à mascara, c'est la Subversion de chez Urban Decay. Je rappelle qu'il faut laisser sécher une base à mascara, peu importe la marque, pour qu'il y ait l'efficacité en fait désirée. Moi, j'aime bien en fait la mettre parce que les cils sont déjà d'une protégés, ils sont allongés, il y a plus de volume, etc. Ça intensifie vraiment tout ce qu'il faut et tout ce qu'on souhaite dans un mascara. Et d'ailleurs, en parlant du mascara, maintenant, je vais appliquer le mascara. C'est le Perversion de chez Urban Decay. C'est le complémentaire et c'est aussi mon chouchou. N'oubliez pas de faire votre ras de cils inférieur. Ça vraiment intensifie en fait le regard. Alors j'espère que ce look vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire les autres vidéos que vous aimeriez que je fasse. N'hésitez pas à me dire aussi me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont listés aussi en dessous de la vidéo ainsi que tous les produits utilisés dans cette vidéo même. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit, ça me ferait très plaisir. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine et puis gros bisous. Ça va pas. On recommence là, c'est n'importe quoi. Allez, 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 go, go.